j'étais parti pour cette première fois avec Calliope ainsi que Bénédic, qui ont pris d'ailleurs le départ avec le numéro 1, Eater Plus Pandora, qui est en troisième position, Rick Boy, et là également tout près quatrième, alors encore le numéro 4, Femina Flam Valen, pour franchir la deuxième difficulté du parcours, pour le moment, correspondant à Paris Énergie, Milo, le numéro 6, Milo qui est accompagné également par le numéro 2, Anandal Bartman. On voit le numéro 5, les boules qui s'imposent avec Bertrand derrière, avec un petit peu de mal, tournant qui a été négocié avec un petit peu de difficulté également par le numéro 6, Milo, avec Marco Moisson. Pendant ce temps, bien c'est Calliope avec Charles Caillou qui a l'avantage. Arthur Ferrand avec Peterson Pandora est en deuxième position. La troisième place pour X-Boy et Jordan Major Creek. Jordan Major Creek qui est accompagné par Margot Moisson avec Milo. Ces quatre-là qui sont suivis par Thibaut Delemay qui est en cinquième position avec Sacha Cascella également qui est juste derrière. Et la dernière place pour Gaston Verrienne. Le passage du guet qui a parfaitement été négocié par le peloton et c'est le numéro 7, Calliope avec Charles Sérieux qui se présente le premier au passage de route. Magnifique pour participant, pas l'ombre du pote, pas l'ombre de méditation avec Calliope en tête. Une chute dans le numéro 4 de la salle de baleine avec 6 minutes. Quant au centre de l'hippodrome, avec quelques pays qui a l'avantage, la condition X-Boy qui se rapproche. Elle donne également à Milo à la cadence Bolton Noir qui est passé en 3ème position devant encore Peterson Pandora. Un petit peu plus loin, il y a le numéro 8 de Wardman. Et la dernière place pour Baby Bouille avec Gaston Merrienne. Le train est assez régulier pour la commande, toujours sur la conduite de Calliope avec Charles Calliope qui a l'avantage en deuxième position, on galope toujours Jordan Major-Creek avec Marco Moisson également qui est troisième, Arthur Ferland est quatrième. Ces quatre-là qui s'apprêtent maintenant à lutter pour la victoire avec Calliope qui a été débordé, mais qui revient néanmoins au contact. Trois concurrents qui lancent sprint de loin avec Calliope qui revient dedans avec X-Boy qui est au centre, avec à l'extérieur également à Milo. La dernière ligne droite, encore deux obstacles à franchir avec Charles Clayeux, qui a remporté la première avec Calliope tout à l'heure, qui est toujours en tête avec en deuxième position. Marco Moisson, plus loin, galope Jordan Major-Creek qui est troisième, sur le train.